Salut tout le monde, ça doit être parti. Je me vois pas aujourd'hui, donc ça se peut que. Parce que quand on filme avec la caméra, le bord du téléphone, c'est plus facile que quand moi je vous ai. Pourquoi que j'aimais bien me voir. Mais bon, ça sera pour une autre fois. On voulait un beau direct. Puis là, je veux juste voir vos commentaires. Je veux voir on est combien. Je veux voir parce qu'on est dans la journée lancement. Est-ce qu'on est là? Ça va monter, ça va monter. Attends un petit peu. Je me vois pas, t'as un peu. Ah oui, me voilà. OK. On a déjà des cœurs. Ah, oh, il y a déjà des cœurs, c'est super. Là, je mets ça ici. Oh non, là, vous allez me voir. Bon, OK. Fait qu'on va essayer de. Je vais essayer de manager ça comme il faut. De toute façon, Julien est toujours à la console. Il va me transmettre vos questions ou commentaires si je ne les vois pas. Donc aujourd'hui, grosse journée, vendredi 12, c'est le lancement de la numéro 2, de l'apparition numéro 2 de notre livre magazine. On essayait d'un peu nommer notre magazine qui en est un, mais qui est quelque chose entre le magazine et le livre. J'avais un commentaire aujourd'hui. Qu'une personne qui avait reçu, je m'excuse, j'oublie votre nom, qui avait reçu le magazine hier, puis elle dit, les textes, c'est bien écrit, c'est presque de la poésie, c'est ça, fait qu'on travaille beaucoup. C'est un périodique, c'est un magazine, enfin, je l'ai déjà dit, elle appelle ça un bookzine. Ici, on l'a appelé Livre Magazine, c'est un magazine haut de gamme, donc de contenu, numéro 2 encore et toujours sans aucune publicité. Je dis ça parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener, j'ai de la misère à... Ah, j'ai regardé la lumière, hein? Faut que je regarde le téléphone, ben oui. Donc, je ne sais pas trop où ça va nous mener, tout ça, en espérant pouvoir toujours garder ça en contenu. Donc, c'est, si je ne me trompe pas, 116 pages de contenu, donc contenu, photo... Quelque chose qui est agréable à regarder, à refeuilleter et tout ça. Donc, on est bien fiers du deuxième. On est encore à la recherche pas de notre style, mais de la présentation. Le fait qu'on a travaillé, le troisième déjà aura des changements, pas majeurs, là, mais dans la façon de présenter. Mettons, au niveau des designers, on a changé un peu la méthode d'entrevue. Voilà, en tout cas, ça sera à découvrir, mais là, je vais vous parler de notre beau numéro 2. Donc, les gens ont reçu hier. Si vous ne l'avez pas reçu hier, peut-être aujourd'hui, vous allez recevoir. Si vous êtes dans le coin de Québec et vous venez au salon Vitalienne en folie, je serai là ce soir à la soirée VIP, donc dès 8h, pour vous en parler. Adopter finalement ce que je vous dis aujourd'hui, mais si vous êtes là demain ou en fin de semaine, vous venez voir, cherchez votre magazine aussi. Et voilà, donc on vous présente dans ce numéro-là Dalia Milon, qui est elle se nomme une artisane, j'aimais beaucoup son artisane paysanne, donc artisane parce qu'elle travaille avec les fibres, elle travaille avec la teinture végétale et tout ça, puis... paysanne, ben c'est parce qu'elle cultive des fleurs et des plantes tinctoriales aussi. Vous pouvez aussi aller la rencontrer si vous passez par Kamouraska cet été. Ils ont une boutique où vous pouvez acheter des choses qui viennent d'elle et aussi visiter ses jardins, je crois. Là, peut-être juste demander avant, mais on vous l'a fait découvrir avec des belles photos dans le magazine. Et ce qui est le fun, j'essaie le plus possible de vous proposer un projet par rapport aux artisans qu'on vous présente ou aux entreprises qu'on vous présente. Donc, dans le cas de Dalia, vous voyez que ce qu'elle a dans les mains, c'est de l'indigo, cultivé par elle, bien entendu. Donc, on vous propose dans ce numéro-là, je porte un châle texture, mais je vais pas dire amélioré, mais revisité, merci. Donc, voilà, le patron est à l'intérieur. La particularité de celui-ci, vous pouvez le faire aussi avec du mohair. Vous pouvez vous amuser là, avec n'importe quelle grosseur de fil aussi. C'est vraiment de changer les textures de laine et tout ça. Ça pourrait être aussi des couleurs que vous pourriez changer. Donc, je vous le montre comme ça. Je ne vois pas le focus, je ne vois rien. Mais... Non, c'est bon? Parfait.
Ce qui est le fun, c'est que ce qu'on vous propose, c'est d'acheter. Donc, on les a en ligne. Là, peut-être juste avant de parler des kits qui sont disponibles là, sur la boutique en ligne versus Québec ce week-end, il a fallu qu'on se partage un peu les disponibilités de matière. Donc, tout ce qui est dans le fibre est en ligne et est en précommande. Donc, si jamais il n'y en a plus en inventaire, précommandé, on va, ce qu'on en ramènera de Québec, on va pouvoir l'envoyer. Puis sinon, ben, que ce soit les sacs, que ce soit les fibres à teindre, tout ça, Timothée va se mettre là-dessus dès lundi là, pour remplir vos commandes s'il nous en manque. Donc, on vous propose un kit d'indigo. Donc, un sac avec les feuilles d'indigo. Ça s'appelle Cultivo, c'est du indigo japonais, Persicaria tinctoria. Je pensais qu'on avait fait une fois dans le magazine, pas que c'était pas tinctoria, mais c'est tinctoria. Voilà, vous avez la marche à suivre à l'intérieur. J'ai teint celle-là moi-même, puis Timothée a teint aussi avec les instructions. Vous allez dire que vous êtes des teinturiers. Non, ça n'a rien à voir presque, je vous dirais, avec la teinture qu'on fait nous présentement. Toute la marche à suivre est là, vraiment bien expliquée. Puis si jamais vous avez des questions, je suis certaine que Dahlia va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, on vend le kit, vous pouvez l'acheter seul, le kit d'indigo, comme ça. Et on vous vend deux échevaux, une d'Escala et une de Allegra. C'est non teint, on ne l'a pas traité, c'est vraiment, on l'achète, puis c'est vraiment, on vous la met. Là. Donc, nous, on ne l'a pas lavé, rien de ça, parce que tout le processus est ici. Pourquoi on a décidé de travailler avec l'indigo pour vous offrir ça? C'est qu'on n'a pas besoin de mordant ça, on n'a pas besoin de préparer la fibre à recevoir la teinture végétale. Donc, avec l'indigo, vous y allez tout simplement en faisant votre concoction de feuilles d'indigo avec votre laine. Voilà un peu qu'est-ce que ça donne. Là. Ça, c'est nos résidus. Je vais vous montrer la mohair. C'est tellement beau. Puis, qu'est-ce que moi m'a vraiment accroché, c'est que quand on teint, pour que l'indigo devienne bleu, il faut qu'il touche à l'oxygène. Donc, tant qu'il est dans le bassin de concoction, le jus d'indigo, merci, la soupe à l'indigo. c'est vert, vous verrez, là, il y a des photos, puis c'est pas, les photos sont des bonnes couleurs, donc vraiment un jus verdâtre. Puis dès qu'on sort les chevaux de cette soupe-là, au fur et à mesure que l'indigo, que l'oxygène touche à la fibre, ça devient bleu. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, puis attendez aussi, moi au début j'étais comme, oh non, il me semble que ça sort pas de la bonne couleur, mais il faut vraiment finaliser le processus, donc le lendemain de bien rincer, laver la laine pour que le bleu sorte complètement. Puis vous pouvez aussi gérer l'intensité du bleu que vous voulez. Donc à tous les fois où vous allez reteindre dans votre jus, ben ça va foncer la couleur. Fait que c'est vraiment intéressant de comprendre tout ça. Puis en plus des explications de Dahlia, je vous ai tout mis là en photo le petit processus. Voilà. Le châle après ça, la façon de le porter, tout ça. Fait que ça, c'est pour Dahlia. Ensuite, on a rencontré la fabuleuse Alexina de Lemlen. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, c'est une belle façon de la découvrir. On est vraiment à la rencontre de sa famille avec son chum. Là, je ne veux pas... Yves-Antoine, je m'en allais dire, Marc-Antoine, c'est Yves-Antoine, on l'a débaptisé quelques fois, et ses trois enfants. Donc, c'est une belle famille à rencontrer, aussi comment eux abordent, ils viennent d'où, tout ça, puis comment abordent la fibre et tout. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun là, à regarder. Puis lui, Yves-Antoine fait des fuseaux affilés, c'est des œuvres d'art, là, vraiment magnifiques. Donc, voilà pour ça. Puis après ça, ben, on a nos designs là que je vous ai déjà présentés. On a le design de Jennifer Beal qui est ici. Donc, on vous a fait des kits avec la Mélino et un 20 g de couleur contrastante. On a c'est le carré. Après ça, on a toujours construction. Jennifer me dit, je te fais ça plus simple que le Rio.
Donc, c'est vraiment intéressant. Construction différente, on apprend des choses avec elle. Donc, c'est rare qu'on a des patrons en français. Fait que profitez-en, le patron est en français du Carré de Jennifer Beal. Mais c'est vrai qu'il est plus simple, là. J'ai lu le patron. Oui, 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 il est vraiment plus simple. Mais on est. Comment je pourrais dire ça? T'sais, moi, j'aime ça parce qu'on laisse, je dis souvent ça, là, j'y vais étape par étape. C'est comme un roman que je lis, j'ai tout le temps de voir la prochaine étape, comment je vais faire pour le bâtir. Puis ce que j'ai aimé aussi, je vous montre ça, quand on le fait, quand on prend en photo, ah, je l'ai-tu pris en photo? Quand on le prend en photo, ça découpe, on ne le voit pas. La découpe d'épaule est vraiment, on voit vraiment, c'est vraiment démarqué ici, puis il tombe super bien à cause de ça. Fait que Jennifer, tout est pensé, tout est là, tout est. C'est mathématique son histoire. Mathématiques, géométriques, lisez un peu son parcours, c'est vraiment intéressant. On a la camisole. Jardin secret. Jardin secret. Bon, j'étais comme, pourquoi j'ai pas le nom? Jardin secret de la belle Gabrielle Vizina, qui nous rend encore. Pas fière à l'heure, là, mais est-ce que j'en tête ailleurs des fois. Donc, avec sa dentelle, camisole, qu'elle a faite aussi avec épaules assez, pas épaules, mais bretelles assez larges. On aime ça que notre soutien-gorge soit pas apparent ou bretelles, spaghettis, tout ça. Donc, c'est vraiment pour tous les goûts. On vous la montre aussi à l'intérieur. On peut la porter avec un t-shirt ou un chemisier blanc. Puis, on le porte en débardeur, c'est de toute beauté. Très beau aussi. Et la base, donc Amélino, on la connaît. La base. Non. Ça, c'est l'Amélino. OK. Elle est mélangeante parce que. Hop, ça, c'est pas là-bas. Ouais, c'est ici. Puis, je vais vous montrer les couleurs. Ça, c'est les couleurs du magazine. Donc, on a fait les nouvelles bases, on les a faites dans ces quatre couleurs-là. Ça, c'est notre orage électrique. Et là-dessus, ça sort. Wow! Ça, c'est les couleurs qu'on a. Gris d'anticotti, orage électrique, on a tournesol et flamant rose. Donc, cette base-là, c'est Alpaga. Alors, on est-tu dans le bébé Alpaga? Bébé Alpaga, là, j'ai fait les étiquettes, c'est petit en tabarouette. C'est la linum. Donc, c'est 50% bébé alpaga, 25% soie, 25% lin. Donc, c'est ce qui vient faire le petit chiné. Là. Le lin, comme déjà expliqué, ne prend pas la teinture qu'on utilise. Et donc, c'est ça, c'est pour faire la camisole. Ça peut être un fingering, ça peut être utilisé pour peu importe là, quoi que ce soit en fingering finalement. Puis, j'ai commencé, parce qu'on s'en va à Québec, on a un petit peu de route à faire, puis je voulais tricoter quelque chose de léger, agréable. Donc, j'ai commencé, c'est le Skies, je ne me souviens plus du nom, de Janina Callo, Galio Callo. Open Skies. Open Skies. Donc, voilà. Et c'est vraiment agréable, c'est tricoté avec des 4 mm. On peut penser qu'avec soit l'alpaga ou soit avec le lin, ça va être un peu, mais il y a la soie qui vient balancer le tout. C'est vraiment agréable. Donc ça, c'est un foulard. C'est la largeur du foulard. Puis je le tricote en couleur, justement, orage électrique. Donc, petite laine qui accroche bien. C'est quelque chose que j'aurais, si la laine texante que j'aurais tricoté avec des aiguilles de bambou, mais ça va super bien avec les aiguilles de métal. Fait que je vous montrerai mon avancement. Puis je vais l'avoir aussi à Québec si jamais. Vous voulez vous procurer juste une balle, bien vous avez une balle pour faire un châle, un foulard. Fait que, si jamais ça vous intéresse, là, c'est le patron Open Skies. Je l'ai mis dans les commentaires. Ah, Julien l'a mis dans les commentaires. Là, je ne regarde pas du tout les commentaires, fait que si tu as des questions, Julien. Oui, les gens pensent qu'ils sont beaucoup à l'écoute parce qu'il y a du contenu. J'ai le magnifique foulard aussi que je vous ai montré déjà. Je pense que ça vaut la peine. Le setup était beau, je ne voulais pas défaire. Donc, c'est le châle moisson, châle wrap foulard de Lucie Paquette, Lulu de son petit nom, qui est magnifique. Juste à lire le patron, j'avais le goût de le faire. Puis ça, c'est un fil 50% mérino, 50% soie. Les bases que je vous propose présentement sont un peu plus dispendieuses, sont plus dispendieuses à cause, bien entendu, de la soie, qui est quelque chose de luxueux et plus dispendieux qu'un mérino. Voilà.
Fait que c'est magnifique, c'est... on a... Attendez, je ne me vois pas, je vais juste me réouvrir ça. Ah, on demande si je vais avoir des nouveaux t-shirts avec les nouvelles couleurs fines. Je sais pas, je suis en train d'un peu revoir ça. Présentement, il n'y a rien de commandé. On vous amène les chandails à Québec. Ils seront, je sais pas, on a mis un rabais. Je me souviens plus son combien, mais ils vont être en solde. Il nous en reste beaucoup. C'est pas facile, les chandails, parce que faut y aller avec les grandeurs, en tout cas. J'ai pas trouvé ça simple comme achat. Puis je le voyais un petit peu autrement, honnêtement. Là. Fait que peut-être je pense à ça, puis je vous reviens. Peut-être que ça sera plus pour le numéro 3 qu'on va sortir là, pour le Festival Twist là, à suivre. J'espère bien que de savoir d'où vient le nom bleu d'Anticosti. Parce qu'elle vient d'original d'Anticosti. C'est pas bleu d'Anticosti, c'est gris d'Anticosti. Ah, okay, je te disais ton commentaire. Honnêtement, c'est gris d'Anticosti. Au début, les gens disaient ça, c'est une des premières couleurs qu'on a fait. C'était dans notre badge de première fois qu'on teignait. Puis c'était notre première une couleur qu'on avait là-dedans. Je voulais avoir une espèce de turquoise sali. Puis d'où vient le nom? Ben, des chartes de peinture, Sico, Benjamin, je ne sais pas trop quoi, qui avait un turquoise sale. Donc voilà. Là, je dis sale, mais. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas un turquoise éclatant. Fait que ça vient juste d'une charte de couleur Sico tout simplement, parce que des fois on manque de. Des fois il y a le nom bien comme ça, mais d'autres fois c'est pas le cas. Donc ça c'est la couleur tournesol. Puis vous avez, vous voyez, vous pouvez le porter aussi, là, vous avez une petite soirée, un petit resto. Juste comme ça, le porter vraiment en. C'est vraiment élégant. Puis ça court, on peut venir le porter aussi de cette façon-là. C'est un fingering. Encore là, on a les couleurs de base. Ce week-end aussi, vous allez voir, on va avoir, on a eu des problèmes avec le tournesol. Fait qu'on en a beaucoup qui est un peu plus rosé, qui n'est pas la couleur tournesol, mais qui est un peu plus rosé. On va en avoir au festival aussi. Fait que ça, on va l'avoir. On en a des quantités. On en laisse ici, puis on en amène aussi à Québec. Fait que ça, c'est les quatre couleurs du magazine. Voilà. Fait que ça prend 3 balles pour le réaliser de cette grandeur-là. Et je peux vous dire que vous ne vous ennuierez pas à le faire. Fingering, vous pourriez le faire en n'importe quel fingering, mais là, il y a une pesanteur, il y a un drapé qui est intéressant avec le fil. Ça pourrait se faire en mélino, ça pourrait se faire aussi en linum, ça pourrait se faire en lana, en scala, il n'y a pas de problème. Tout se fait. Donc, je vous ai parlé des patrons. Après, on vous amène toujours dans un côté un peu... récupération, tout ça. Donc, si vous avez des tissus à la maison, des bouts de tissus qui servent à rien, ben, des bons bouts, là, pas juste des petites languettes, mais des chutes de tissus quand même assez importantes, Julien vous montre un pas à pas de comment réaliser ces petites jupes-là. C'est-tu des jupes paysannes? Comment tu appelles ça? Oui, là? Jupes paysannes. OK, voilà. Fait que vous verrez son pas à pas. Ça, puis il les a faites pour ses nièces. Donc, vous allez voir des belles petites photos avec ses nièces et qui les portent. Puis moi, ce que j'ai rajouté aussi, j'ai rajouté une petite bordure au crochet. Donc, vous avez aussi le patron, comment le réaliser. Moi, j'ai utilisé un coton à crocheter qui est plus fin. Puis, j'ai essayé avec la laine, mais j'aimais vraiment pas qu'est-ce que ça donne avec la laine. Donc, allez-y, si ça vous intéresse, avec un petit coton, on peut pour le faire. Puis, ça aussi, ce que ça vous montre, c'est que vous pouvez le faire, puis vous pouvez mettre ça partout. Ça pourrait être aussi de revamper quelque chose que vous avez déjà, puis une jupe d'enfant, tout ça, puis venir y mettre juste et rajouter une petite bordure au crochet. Puis, je vous ai montré, j'ai des vidéos qui vous montrent comment crocheter le tour. Là, j'en ai déjà parlé avec les petites mini courtepointes que j'ai faites, les tours au crochet. Mais on s'accroche à un point feston. Fait que là, on n'a pas fait le point feston. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire le bâti, si vous voulez, là, avant pour être capable de le coudre. Ici, à la machine à coudre. Voilà. Ça, c'est un beau petit projet, vraiment mignon. Fait que si vous avez des restants,
Sinon, ben, le tissu vient de chez Élégante Virgule à Sainte-Thérèse. J'espère que je ne me trompe pas dans le nom de ville. C'est bon. OK. L'écharpe, ça s'appelle l'écharpe moisson. Parce que tout le monde l'appelle l'écharpe tournesol. Ah, c'est l'écharpe moisson. C'est la couleur tournesol. Mais écoutez ça, les gens qui l'ont vu en boutique, là, ben, ils n'ont pas comment je pourrais dire ça. J'ai de la misère, des fois, à tout me retenir dans mes affaires. Là, fait que j'ai des amis, c'est ça que je vais montrer. Puis vraiment, ils trippent, vraiment, vraiment. Puis hier aussi, je viens donner un cours, puis c'était tout monté. Puis les gens, ils regardaient vraiment, soit l'écharpe, la cape. Tu sais, ils trouvaient. C'était beau, là, tu sais, tout le petit kit ensemble. Pas le kit, pas le porte-ensemble, juste tout le quatuor de projet. Bon, là, je vous montre les sacs. On a, j'ai une belle collaboration avec Atelier Sim, qui est aussi la photographe du magazine, entre autres. Et on a, j'avais vu des sacs sur, je pense à la partie Pinterest, ça m'a envoyé sur Etsy. Puis je dis, ah, j'aimerais ça quelque chose de comme ça, blablabla. On se met à regarder ça. On a acheté le patron. Puis le patron nous donnait le droit de faire des sacs avec son patron, mais à la main, pas de façon industrielle. Puis de nommer aussi la designer du patron, ce qu'on a fait. Donc, dans les, ce que vous allez voir là, dans les sacs, on a nommé. Puis, non, madame, c'est pas ici. L'autre porte, madame. On a fait les patrons. Fait que si jamais cette couturière, allez voir qu'est-ce qu'elle fait. C'est vraiment intéressant. Donc, on commence. Oh mon Dieu, vous les avez remplis pour vrai? Ben oui, c'est ça. Fait que ça, c'est Julien. Tu vas m'aider, mais c'est le vagabond voyageur. Là, on a le vagabond, on l'a en deux grandeurs. Donc, le voyageur, c'est le plus grand. C'est un sac de tricot que vous pouvez apporter les week-ends, en vacances et tout ça. Vous avez deux façons de le porter. Donc, vous pouvez le porter là, vraiment comme ça. Donc, on a un lin qui est imprimé. Puis à l'intérieur, c'est du canevas de coton. On peut le porter comme ça, puis on peut aussi le fermer. C'est à votre choix. Les looks sont différents comme ça. Des poches à l'intérieur. C'est ça, les gens aiment ça, les poches. Moi, je me disais tout le temps, on fait pas de poches, ça coûte cher. Puis tu sais, moi, je m'en servais pas tant des poches, mais bon, c'est moi, c'est pas tout le monde. Fait que je vais juste essayer d'enlever ça pour vous montrer les poches. Vous allez le voir aussi dans le magazine ou sur le site web. Si vous n'avez pas de magazine, ils sont quand même disponibles. Là. Comment je vais vous montrer ça? Tiens, je vais faire ça. Ils sont pas reversibles, là, mais je vais juste vous montrer les poches. Voilà. Fait qu'on a différentes grandeurs de poches. Grande poche ici, poche ici. Vous allez avoir plus grand, plus petit. Mettre vos ciseaux, mettre vos aiguilles, mettre votre téléphone, crayon, etc. à l'intérieur du sac. On a les tissus que je vais vous montrer. Il y a différentes variations. Fait que ça, c'est le grand, mais vous l'avez aussi dans le. Vous avez la couleur écrue, vous avez la couleur brun, tu l'as appelé? Chameau. Chameau, ah oui, c'est mieux. C'est plus vendeur. Chameau que brun. Vous voyez ici, ça c'est la couleur chameau. Ça c'est le petit qu'on a appelé le vagabond flâneur. Donc, vous allez au parc, vous allez tricoter avec une amie. Ça c'est plus sac de tricot. Fait que même chose, même patron. Ça se tire ici. Vous avez les poches à l'intérieur aussi. Fait que là, vous voyez, juste pour vous donner une idée de la grandeur, là, j'ai trois échevaux. Là. Fait que c'est une bonne grandeur de sac de projet, je vous dirais. Là. Voilà. Comme ça. Y a-t-il des questions? Ça va bien? Non, ça va. Y a-t-il du monde au moins? Du monde, on est 160. Oh yeah, 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 yeah. Fait que ça, c'est le uni. Qu'on vous propose aussi, là, vraiment, dans la simplicité. Ensuite, on a un petit, la trousse. Hein, on est allé simple. Donc, la trousse, c'est pour vos accessoires. Rien de spécial, un petit zip, c'est un peu matelassé.
Si vous tricotez, mettons, des chaussettes avec, vous avez deux balles séparées, vous pouvez les mettre avec votre, vos broches et tout ça. Sinon, ben, petite trousse là, à accessoires. Ensuite, ah oui, on a lui. C'est aussi un patron qu'on a acheté de la même designer. Le, je l'ai appelé Belchard, j'imagine. Non. Ah! Ah! La bohème. La bohème. Je suis trop. Fait que là, vous pouvez le porter comme ça dans le dos. Ou vous pouvez aussi le porter en avant. Surtout si vous voulez avoir votre tricot proche. C'est surtout, bon, on voyage. Je sais pas, mais on parlait de ça hier, file d'attente. Vous avez votre tricot, vous sortez, votre, puis vous y allez là, tricoter comme ça. Fait que je pense que c'est une belle avenue aussi pour un sac qui est différent. Encore là, j'ai trois balles dedans. Puis, il y a les poches aussi qui sont dedans, dans le fond. Fait que ça permet aussi d'avoir une tenue qui est doublée, puis avec les poches aussi qui sont faites avec le canevas, là, ça vous permet une belle tenue comme ça. Voilà. Fait qu'on l'a à poids, on l'a comme ça aussi, chameau. Là, j'ai pas toutes les options, mais encore là, sur le site, hein, je l'ai mis avec mon collet de chemise, ça me regarde. Ils sont là. Petite, là, on a trois petites nouveautés. Là, c'est de notre cru, c'est sûr que c'est inspiré d'un paquet de choses. Ça, c'est inspiré d'une pochette que Julien avait. C'était-tu plus grand, toi, ta pochette, Julien, ou c'était... C'est similaire. Donc, une petite pochette, c'est pour, on l'a pensé pour le, la broderie, mais ça peut être utilisé, là, peu importe quoi. Donc, puis la trousse pour une première chez Pure Laine. La trousse est toute équipée. Donc, vous avez vos aiguilles à laine, aiguilles à broderie aussi, les bouts sont pointus. Vous avez un coupe-fil. Vous avez un enfileur. Regardez comment c'est cute avec le petit Pure Laine en bois. Donc, avec sa petite poche ici, qu'on a rajouté ici parce qu'au début, ça, il tombait, mais là, il est vraiment comme ça. Puis ici, vous avez, quand vous faites de la couture ou quand vous faites de la broderie, Christelle, elle parle toujours de laisser nos bouts de fil, là, avec, avoir les aiguilles, une aiguille pour chaque couleur de fil. Fait qu'on peut laisser ça ouvert pendant qu'on vient, qu'on fait notre broderie, puis venir mettre, piquer ça sur notre petit coussin ici. Puis, vous avez après ça... votre place pour venir les serrer. Donc, cela, c'est l'essentiel? Oui. Oh! L'essentiel. On a aussi, on voulait, parce qu'on a de plus en plus de, plus en plus de brodeuses, donc on voulait proposer une trousse pour les brodeuses, brodeurs, et on peut aussi l'utiliser pour les tricoteuses. Donc, voici la trousse. Pourquoi brodeuse? Parce qu'on a ici, on peut installer un... C'est un 4 pouces ou un 6 pouces? 6. Un 6 pouces. Donc, vous pouvez mettre votre cerceau 6 pouces ici de votre ouvrage qui est en train de se faire. Puis, vous pouvez venir mettre ici soit vos fils ou les mettre aussi ici. Là, on a mélangé un peu. Fait que là, vous avez votre enfileur, vous avez un ruban. Elle n'est pas... Elle est vide, là. On veut juste vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Vous avez vos aiguilles, vous avez un endroit ici pour venir mettre vos aiguilles à laine ou à coude ou à broder, ciseaux, ici votre petite, ah c'est le fun ça, le petit clip de coconut là, qu'on vient mettre ici, qui est aimanté, que vous pouvez mettre là puis venir coller vos marqueurs ou peu importe quoi. On a, voilà, fait que 1, 2, 3, 4, il y a 4 pochettes, ici une autre belle idée, tenir ça dans, vos, dans les clips de coconut. Vous en avez deux, donc venez juste fermer votre fil avec ça. Ou ça peut être vos câbles aussi que vous venez mettre ici, puis les attacher avec ça. Ou les attaches-câbles aussi qu'on a de... Soit Shirp, je sais pas quoi. Puis ici, soit encore là, vous mettez des accessoires ou vos fils de broderie. Donc, je trouve que c'est vraiment un bel accessoire pour brodeurs, tricoteurs, etc. C'est beau aussi avec le... C'est très chic. Je trouve que c'est une belle collection. Je vais dire printanière à cause du lin imprimé, mais tu sais, c'est pas... c'est tout le temps, finalement. Là. C'est intemporel. Pardon? Il est quand même neutre. Oui, c'est neutre, c'est ça. Et le petit panier ici que je trouve vraiment fun,
À quoi ça sert? Premièrement, vous pouvez le lancer dans votre sac pour l'emporter dans votre week-end. Puis ça, moi, c'est tout pour mettre vos petits accessoires de tricot là, que vous pouvez mettre là-dedans. On a même mis, ça peut même servir pour mettre une balle de laine pour tricoter de couvre-cake ou peu importe. Vous tricotez par rapport à ça. Fait que ça, c'est vraiment pour vous promener dans la maison ou vous partez en week-end, vous prenez ça, vous mettez ça dans votre sac de tricot. Voilà. Puis là, vous avez tous vos accessoires à vue, crayons, ciseaux, encore l'aiguille aiguille à câble, limite, là, je veux dire, il n'y a pas de bon et de mauvais réponse. Fait que ça, c'est la petite... C'est le panier. Voilà, le petit panier bien mignon que vous pouvez traîner un peu partout. Si ça se défait, fait que si jamais vous l'amenez, vous pourriez toujours décider, selon ce que vous avez à l'intérieur, de le fermer un peu plus, pas hermétiquement, là, mais quand même de façon plus serrée. Est-ce que j'ai fait le tour? On a les aimants aussi. Ah oui, les aimants. Vous savez comment j'aime les aimants. Fait que ça, c'est les quatre aimants de Cine qu'on a. Voilà. Je vous montre pour celles qui ne connaissent pas. Donc, sur votre sac de tricot, on prend les mains comme ça ici. Donc, on vient de mettre ici. Et là, tous vos marqueurs, tout ce qui est aimanté, tous les produits Coconut aussi vont coller ici, puis aussi à l'intérieur de votre sac. Donc, des fois, ça ramasse là, l'intérieur de sac, nos marqueurs qui traînent dans le fond. Bien là, on les a tous à la même place, puis à portée là, demain. Puis, c'est aussi décoratif. Voilà. Fait qu'on les a dans ces couleurs-là. Avec l'imprimé. Voilà. Caroline trouve que la collection a beaucoup de place. Qui ça? Ça nous reste en Caroline. Ah, bien, merci, Caroline. Caroline dit que la collection nous ressemble et a beaucoup de classe. Ça nous ressemble, ça a de la classe, c'est ça. Non, c'est ça. On veut des choses qui sont pas, mettons, des choses qu'on va pas tant stanner. Tu sais, c'est quand même des prix. Puis tous ces sacs-là, ils sont faits carrément à la main, là. Faut le savoir, là. Fait que c'est des choses qui sont pas produites en méga quantité. C'est local, effectivement. Puis c'est beau, des beaux tissus bien choisis. Là, on travaille sur la collection d'automne. Waouh, j'ai hâte de vous montrer ça déjà. Fait qu'on a beaucoup de plaisir, moi puis Cindy, à choisir. Elle amène des choix de tissus. On regarde ça, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on refait, qu'est-ce qu'on refait pas. Fait que c'est vraiment cool à faire. Puis, je sais qu'il y a de bon goût. Là, c'est un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans cette collection de sacs-là. Fait que voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne vois pas. Voir la camisole la plus proche, mais pas sur le mannequin. Oui. Ah, puis attends, il va falloir que tu parles de morphologie aussi. Oh mon Dieu! J'ai passé. Tellement. Fait que c'est la camisole. J'essaie de la... Mais ça, je pense qu'elle peut bien à toutes les silhouettes. Oui, bien, c'est ça. Ben, je vais vous parler de morphologie. Vous en avez déjà parlé, mais je vous en parle. Tu sais, c'est quelque chose qui va bien allonger aussi. Là, je ne la porterai pas parce qu'elle est trop petite pour moi. Elle va être trop serrée, puis j'aurais pris un fit plus un petit peu plus grand. J'ai dit ça, mais je ne sais pas. Enfin, c'est ça. Puis... les variations que vous voyez, bien, c'est le lin aussi là, qui amène ce genre de... Si vous voulez avoir un tricot uni, là, je vous dirais de choisir une autre base qui peut être faite en mélino aussi, là, que celle avec du lin, pour éviter les variations. Mais moi, j'adore, ça donne un petit côté rustique, usé aussi. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir là, le côté un peu... très léger, vraiment agréable comme fibre. J'ai oublié de vous parler d'une chose très importante que Julien m'a fait... m'a fait penser, c'est les morphologies dans le magazine. Oh, je vais vous montrer les petites cocottes à Julien avec les petites robes. Voilà.
Fait que vous allez toutes, là, vraiment... On s'est vraiment un peu cassé la tête. Autant que c'est simple que de l'écrire, c'est une autre histoire. Oh, Julien nous a fait travailler fort. Voilà. Puis ça, c'est mes petits... C'est nouveau, là. C'est mes petits croquis que je m'amuse à faire, là, dans le magazine. Donc, il y a les morphologies. Je veux juste aller voir si j'ai pas oublié quelque chose. Moi, je parlais de quoi? Ah oui! Je vous parle aussi des fibres d'été. Selon ma vision à moi. Qu'est-ce que j'appelle une fibre d'été? Qu'est-ce que? Fait. Et même, je suis allée rencontrer Myriam Rochon qui cultive du coton sur son balcon à Montréal. Vraiment intéressant. Et ce qui m'amène à la morphologie. Fait qu'on vous a fait... On vous a fait un article sur la morphologie, comment choisir votre chandail, comment choisir votre grandeur. J'ai-tu fait ça la grande? Attends un peu. Ah oui, je vous parle d'aisance positive et négative. Donc, on vous explique avec des exemples qu'est-ce qu'il y en est. Puis, on parle aussi des différentes morphologies. Donc, on est allé avec les morphologies X, V, A et H. Puis aussi avec les types de construction. Donc, avec chacune des morphologies, donc il s'agit de trouver la vôtre, qui est bien décrit ici. On vous dit qu'est-ce que vous devez privilégier. Ben, c'est à quoi ressemble, mettons, le X, le V, le A et le H. Puis on est allé vraiment, c'est pas une question de poids ou de choses comme ça. On est allé vraiment avec des silhouettes. C'est des silhouettes fines à généreuses. Donc, vous pouvez quand même tout le temps trouver, vous retrouver là, dans les silhouettes. Puis, on vous a dit c'est quoi l'objectif de... Qu'est-ce qu'on recherche comme objectif quand on choisit un chandail? Qu'est-ce qu'on privilégie? Qu'est-ce qu'on évite? Qu'est-ce qu'on mise sur quoi? Sur quelle, mettons, construction et tout ça. Puis, on vous a donné des idées de patrons qui vont bien fitter votre morphologie aussi. Aussi, ce qu'on a fait avec toutes ces icônes-là ici, on est venu le mettre sur le site web. Donc, tous les patrons chandail, vestes et vêtements, on est venu mettre, Julien a classé les kits par morphologie. Donc, si vous entrez dans un chandail, mettons que vous entrez dans le chandail, le carré. Fait que là, vous allez ouvrir, puis vous allez voir à votre droite, vous allez voir les icônes de chacune des morphologies. Si vous cliquez, maintenant vous dites « moi je suis H ». Si vous cliquez sur H, vous allez avoir toutes les chandails qui sont pour votre silhouette. Là, à mon retour, on va mettre ça autrement, là, dans le, tu sais qu'on peut les choisir par morphologie. Mais pour l'instant, là, si vous voulez en fin de semaine regarder ça, allez choisir parce que, quand on choisit un patron de tricot, on ne peut pas l'essayer et dire ça me fait pas comme au magasin. Hein? Des fois, ça peut arriver, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de faire un chandail, non, ça ne me fait pas vraiment bien. T'sais. On finit par se connaître. Moi, je sais que les chandails ici, un, j'aime pas ça, puis ça ne me fait pas. Donc, je vais privilégier les V, les encolures moins près du cou, telle longueur et tout ça. Mettons que j'ai des motifs, je veux les placer où mes motifs? Je les place-tu en haut? Si j'ai une poitrine qui est assez généreuse, est-ce que je vais venir me mettre un gros jacquard ici puis rien en bas? Bon, mais c'est toutes des choses comme ça. Fait qu'on va mettre l'accent sur ce qu'on veut que les. Tu sais, quand on va regarder, qu'est-ce qu'on veut voir en premier. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, cet article-là, c'est à lire. Puis après ça, vous référez sur notre site web. Donc, à chaque fois qu'on va créer un kit avec un chandail, je dis chandail, là, mais vêtements, on va venir apposer ces icônes-là. Sur le site, donc vous allez pouvoir vous retrouver avec ça. J'y manque-tu des sujets ou tout non, ça? Là, je pense que je voudrais juste mentionner que tu as déjà prévu la précommande de les quantités. Mais... Oui, OK. Fait que dans tout ce qui est, à part le magazine, bien entendu, comme on a le salon à Québec, qu'est-ce que j'amène à Québec, qu'est-ce que je laisse ici, on a dû faire des choix. Donc, dans tout, c'est en précommande. Je l'ai expliqué au début, je vous le redis avant de terminer. Tout est en précommande. Donc, on en a en quantité. S'il n'y en a plus, vous pouvez quand même le commander. Et ce qui va nous rester de Québec, on va remplir les commandes lundi. Sinon, ça va être produit en début de semaine pour vous être envoyé le plus rapidement possible. Là, je dis, j'aimerais ça vous dire que ça va être une semaine, mais là, je ne sais pas le nombre de commandes qu'on va avoir. Même chose pour les sacs.
On va en laisser ici. Vous allez pouvoir les voir si vous passez en boutique. Mais lundi, les sacs qui ont été commandés, ils vont partir avec ce qui nous reste. Et sinon, on va, Cindy est avisée, là, elle va nous livrer ça en 2 semaines. Donc, gênez-vous pas, là, si vous voulez être les premiers à les avoir, surtout, à part ceux qui vont mettre la main dessus, ben, gênez-vous pas pour passer en précommande. Là, on va faire notre plus rapidement. Là, tout le monde est sur le qui-vive là, pour répondre à vos besoins rapidement ou vos commandes, en tout cas. Fait que, voilà, fait que j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à le savourer, à le lire. Je sais que les gens l'attendaient. Il y en a qui lisent ça un article à la fois, qui savourent pas toute la même journée et tout ça. Mais c'est ça, on vous présente aussi de la broderie, là, fait que vous allez voir les trucs de Christelle et tout ça. Lucie, son beau jardin, il y a plein de choses intéressantes dans ça, les belles photos. J'espère qu'on vous transmet bien le côté relaxation qu'on veut que vous soyez dans un état zen, puis que ça vous relaxe de prendre le temps de le lire et de le refeuilleter là, avec les photos qui sont là. Puis dans le prochain numéro, à l'arrière, on vous présente qui sera notre cover, si on veut, là, mais qui sera notre vedette. Donc, plusieurs d'entre vous le connaissez, mais ça sera à lire, je vous dis ça. Alors, sur ça, je vous souhaite un beau vendredi. On se voit à Québec pour celles qui seront là. Puis la boutique est ouverte, venez nous voir. Puis comme je vous dis, on se met là, à 2-3 là, pour être vraiment sûr que vous allez tout recevoir, ce que vous devez le plus rapidement possible, ce que vous aurez commandé. Fait que merci de nous encourager. Si vous aimez la revue, parlez-en. Pas de publicité, ça veut dire qu'il faut avoir un minimum de copies vendues pour être capable de continuer à le faire avec grand bonheur. Là, nous, on adore. On aime ça, on aime travailler là-dessus. L'équipe est vraiment wow. Mais si vous l'aimez, parlez-en. Partagez-le sur des sites aussi de tricot parce que je vois beaucoup de messages sur le groupe d'entraide. Merci, ça nous touche. Mais ça, vous partagez le même message sur Vive la laine ou sur d'autres groupes que vous avez, vous en parlez à vos amies tricoteuses, encouragez-les à se le procurer. Fait que voilà, sur ça, je vous souhaite un beau week-end, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye! Oups, c'est moi qu'il faut qu'il vienne.